Alors voilà, pour continuer l'aventure. J'espère que jusqu'à présent vous appréciez cette aventure suivie. Oula, Wanda a déjà pris cher au niveau des vêtements, on dirait, ils deviennent de plus en plus sales. C'est surtout à l'arrière. Non. Vous allez voir la gueule qui tirera à la fin du jeu, quoi. J'espère que ça vous plaît cette aventure Shadow of the Colossus. Si c'est des trucs que vous reprochez, comme d'habitude ou quoi, hein, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, j'en tiendrai compte. Alors, la suite, c'est un espèce de serpent de mer, voilà. C'est le... Non, c'est pas le seul colosse aquatique, mais... Type serpent aquatique, hein, voilà. Alors, c'est parti. Comme vous pouvez le voir dans ce World Truth, bon, c'est un jeu plutôt sérieux de base, avec une aventure assez belle, etc. Mais... Me connaissant, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez, je peux pas m'empêcher d'intégrer des grosses conneries parfois dans ces vidéos. Genre, franchement, Wanda qui se fait éjecter, mais comme une pauvre merde, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de l'oiseau. Franchement, sur le moment, j'ai trouvé ça tellement énorme, ça a fait tilt. Double roll. Double roll. J'ai pas pu m'empêcher, mais je peux pas m'en empêcher, mais franchement, je me suis retenu parce que j'aurais pu faire pire. Voilà, je suis capable de faire carrément des YouTube poop à la place de ces walks, c'est incroyable. Faut vraiment que je me retienne parfois. Et on peut pas faire tout le temps du sérieux, faut se marrer un peu, même sur les jeux les plus sérieux, quoi. Où va-t-on? Moi devant. La barre d'agrippe a quand même bien progressé depuis le début. C'est tant mieux. Parce que surtout, par exemple, bah, je reviens à l'oiseau, c'était vachement galère de tenir sur lui avec tout le vent qu'avait la barre d'endurance, elle baissait vachement vite. Encore un lézard. Alors maintenant que je note, il y a des lézards près des arbres fruitiers. Oh, le choc quand j'ai vu ça. Toute ma vie n'est qu'un mensonge depuis le début. Je crois que c'est pas le bon endroit. Non, ça c'est l'espèce de... Mais pourtant c'est droit devant. Ah oui, droit devant, mais en faisant tout le tour. Ah, hein, je me disais bien que j'étais déjà venu ici. Il n'y a pas un passage là? Ouais, il y a un passage. Je suis encore jamais passé ici. Ouais, je crois que je vais vite repartir. Ouais. Non? Il y a un passage. Sans déconner, je suis jamais venu ici. Si c'est un cul-de-sac, je me marre. Ou si c'est carrément pas le bon chemin, je me marre aussi. Impossible de savoir si on va dans la bonne direction. Droite, gauche. Ah, mais il y a trop de chemin. J'aimerais bien de la lumière, s'il vous plaît. Je ne vois rien. Oh, un truc de sauvegarde. Ça doit être par là. Sauvegarde. Lézard! Et il n'y a pas de lumière. Lumière. Ah, lumière. Non, 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 non. Par là-bas. Sac, ça. Ah ouais, c'est bien ça. Hein. Bon, je vais déjà... Lézard! Voilà. Yes. Je m'en fous d'aggro. Mais c'est dans quel jeu qu'il faut bourriner le bouton X pour sprinter? Parce que ça commence à me perturber. Et normalement, il n'y a qu'un seul lézard par point de sauvegarde. Faut pas déconner. Voilà. Allez, agenouille-toi, prie ton dieu, prie ce que tu veux. Voilà. Voilà, carrément. Alors, aggro, on est reparti. Voilà. Et on refait le tour.
J'ai peur de me perdre parce que j'ai jamais exploré toute la carte de ce jeu. Là, techniquement, il faut aller à gauche. C'est marrant, mais plus j'avance et moins je suis sûr de moi. Gauche, droite. Oh là là, mais on va jusqu'où là? Ah parfait, encore un hôtel de sauvegarde. Ça peut être par là? Ah, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à me perdre dans ce walk. Il y a un autre truc de sauvegarde. Ah bah non, c'est là-bas. Dans le sol, d'accord. On va dire que c'est par là et moi je vais me choper un autre lézard. Suce au lézard. Je l'ai vu passer. Allez. Il est où? Où qu'il est? Là c'est Shadow of the Colossus mais pour le lézard, parce que nous on se bat dans des trucs qui font 20 fois notre taille, bah c'est la même chose pour le lézard. Lézard. Non. J'étais sûr de l'avoir vu passer tout à l'heure, bon grave. Direct prendre l'épée, on ne sait jamais. C'est quand même malheureux d'utiliser l'épée sacrée pour chasser des putains de lézards. Bah. Allez. T'as au soleil les textures où il y a de la végétation, ça donne super bien. Sans déconner. Ah, j'ai tapé la pierre, il fallait pas. Il va se briser le cou après avoir perdu son combat contre le lézard. Quelle fin de merde. Mais il va me faire grimper jusqu'où ce con? Ah, mais il est où? Ah, oh. Ah, bien là. Saloperie. C'est vraiment l'endroit de la sculpture qui est la plus chiante pour chasser le lézard. Sortir. Non mais il me troll en plus. Je peux pas viser là. Oh, il me troll ce connard. Viens là. Ouh, toi, tu cherches la merde. Regardez ça, il va pile aux angles que c'est impossible de le toucher de là où je suis. Petite merde, allez on saute. Je vais te buter toi. Ça peut durer longtemps, je sais. Ah, elle est plus là. Putain, elle est pile de l'autre côté. Allez. Tiens! I used to be a lézard like you, but then I take an arrow to the knee! Knee! Il pourra raconter sa terrible aventure, le petit lézard, à tous les voyageurs qui vont bien le croiser. Yeah.
Le lézard qui doit arrêter sa profession parce qu'il s'est pris une flèche dans le genou, c'est bien terrible ça. Enfin. Je crois que. Ouais, c'est relativement par là. On va dire que c'est relativement par là. Yes, c'est là. Oh, presque du premier coup. Ah oui, cet endroit il est vachement beau aussi. Par contre, le machin qu'on va affronter, il est assez impressionnant. Vu que là, on va devoir plonger. Évidemment, son environnement à lui, c'est l'eau. Oh. Eh, regardez-moi ces trucs qui brillent là. Et parce que bien sûr, c'est un truc aquatique qui peut envoyer des décharges électriques. Un bordel de merde. Façon comme une torpille quoi. Une espèce de poisson qui ressemble à des raies ou à des sols. Bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Yalla. Oh. De toute façon, en haut, il n'y a rien d'intéressant. Le truc, il pourrait nous bouffer, mais comme il voudrait. Bonjour. Sachant qu'il est à moitié en pierre, pourquoi il coule pas? Parce que les colosses dans ce jeu, c'est pas juste des trucs gigantesques qui vous écrasent, qui vous tapent dessus comme ils peuvent. Non, il y en a qui ont des espèces de pouvoirs, entre guillemets, genre lui, il peut... faire des décharges électriques. Il y en a qui peuvent vous balancer des projectiles même. Par contre, il nage à 2 à l'heure lui. Le Loch Ness à côté, le monstre du Loch Ness à côté, c'est franchement de la merde. C'est lent. Le seul truc à faire, c'est attendre qu'il refasse sur qui remonte à la surface. Ah. Ah. Oh. Putain, ça va faire flipper de voir ça. Faut surtout pas toucher les zones électriques. Ah non. Ah, accroche-toi. Y'a rien à faire, je me plante de toute façon, moi. Ah bah, il est sympa, il va vers moi, je crois. Non. Il va revenir. Je peux pas lui tirer de flèche pour la tirer, ça c'est con. Reviens. Truc. Par contre, te mange pas le pylône, ce serait con, ça. Remonte. Putain, je flipperais moi à sa place. Et encore le colosse, il a pas l'idée de venir nous bouffer, ça va. Il a les yeux orange, mais je l'ai même pas attaqué. Oh. Deuxième, faut faire gaffe. Troisième, encore plus gaffe. Et la queue, merde, je me suis fait électrocuter. Et la queue, ouais. Choper. Allez, refais surface. Je suis en train de perdre tout mon oxygène. Oh, et ça... Un peu de moi là. Allez, vite. Oh. Du coup, j'arrive pas à savoir si c'est des poils ou des algues qu'il a sur lui. Ça fait genre du lichen marin, là. On trouve sur les rochers. Allez. Oh. Je peux vraiment pas avancer quand il est sous l'eau. Pour l'instant, on n'a pas eu un seul conseil de Dormin, c'est dommage, j'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble.
Ses points faibles sont toujours situés près de des zones électriques. Là par contre, il n'y a pas de tatouage, enfin de marque. Ah non, ça c'était juste pour détruire les... Merde. Remonte. Remonte. Là vous voyez, c'est pas... Il n'y avait pas de marque, c'était un mini point faible, c'est juste pour détruire ces... Désactiver ces trucs électriques. Ce qu'il faut, c'est surtout pas être sous l'eau au moment où on est à côté de ces pylônes. Ah, là par contre la musique a complètement changé, ça veut dire qu'il va rester sous l'eau indéfiniment entre guillemets jusqu'à ce que... Ah, jusqu'à ce qu'il me réattaque. Et remonte. Remonte. Je suis jamais mort noyé, j'ai pas envie que ça commence. Ouais, il reste plus qu'un truc à désactiver. Et comme toujours, faudra atteindre sa tête. Allez, approche, Oscaille de merde. Quand je disais ça, je dis rien, hein. Il a fait un bruit différent. Il fait demi-tour. Putain, mais il pourrait me bouffer, mais comme il veut, quoi, c'est flippant. Ah, foiré. En fait, il ne bouffe pas ses proies, juste il les électrocute. D'accord. Oh, yes. Ce monstre me fait beaucoup penser en vachement mieux quand même. Au boss du lac dans Resident Evil 4. Mais je préfère largement celui-là. Toute place. Allez, go! Pourquoi tu tombes là? Ça va pas vite. Il est où? Allez. Putain, mais pourquoi il... Mais pourquoi tu tombes? Pourquoi? Il y avait pas de raison là? Non mais sans déconner, il n'y avait pas de raison là. Et voilà, je l'ai perdu. Je vois bien que dès que le colosse fasse quelques mouvements, ça déstabilise Wanda, mais il y a des moments où vraiment il fait rien comme d'exceptionnel comme mouvement et le héros, bah, il se casse la gueule. Voilà, il n'y a plus qu'à recommencer. Y'a pas d'autre moyen quoi, faut attendre. Prochaine fois, c'est la bonne. Allez, reviens plus vite que ça. Ah d'accord, en fait quand il fait ce bruit et qu'il me fonce dessus, il a l'œil qui devient orange, c'est qu'il est pas content. Attention. Bon allez, cette fois il n'y a pas de raison qu'il se casse la gueule. Oh. S'il voulait vraiment m'avoir, il pourrait me bouffer, j'ai déjà dit, ou il pourrait m'attirer tout au fond du lac et attendre que je me noie aussi. Mais ce serait con, j'ai pas trop envie de me noyer. Avec ces espèces de pics qui sortent de son corps là, avec les algobous, ça me fait penser au voile
d'un bateau échoué, quoi. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Allez. Allez, là tu tombes pas. Oh. On va dire que ça glisse. Ah, mais je suis con, je peux continuer à... en avançant sous l'eau aussi. Ah, là, il s'est cassé la gueule bizarrement. Allez, on y est bientôt. Oh. Allez, allez, allez. Ah merde. Ça fait mal, cette merde. Ah ah. Et là, on fait moins le malin, hein. Putain. Allez, Moby Dick. Et on nage dans le sang noir. Petite dernière, ma grosse. Cool. Bon, moi je sais ce qui m'attend maintenant. L'inévitable... pénétration par tentacule. Et comment je fais là pour aller prier près de son corps si jamais je veux la rebattre? Tentacule? Attends, on les voit pas venir en plus, c'est vicieux ça. Est-ce qu'il y en a pas? Mais non, il y en a pas cette fois. Ils ont compris, ils m'ont épargné. Ah, le truc qui te saute à la gueule, vraiment, tu le vois pas venir. Avec comme je me suis perdu et j'ai cherché de lézards, ça a complètement rallongé la vidéo. Bon, un seul colosse par vidéo, c'est pas un drame non plus, hein. C'est pas comme s'il se passait rien. Voilà, allez, coupure.